Georgette Lemaire a été mariée à deux reprises, à Daniel Lemaire, avec qui elle a eu trois enfants, ainsi qu'avec son pianiste Bob Seller. Une vie qui n'a pas été simple pour la chanteuse, qui a été victime de violences conjugales. Elle a aussi eu des problèmes d'argent. « J'ai vécu expulsion sur expulsion », dit-elle. « Aujourd'hui, j'ai encore du mal à trouver de l'argent pour payer mon loyer à Créteil. » Et dernièrement, c'est le deuil qui frappe la chanteuse star des années 60 et 70. Yvan, son fils aîné, qu'elle a eu avec Daniel Lemaire, est mort. Il est décédé des suites de ses multiples addictions qui avaient entaché sa santé. Georgette, qui a aujourd'hui 79 ans, dit que la vie de son aîné n'a pas été simple. Comme moi, il n'a eu que des drames dans sa vie. Il était lui-même papa et avait deux fils, prénommés Hugo et Arthur, que je n'ai quasiment jamais vus d'ailleurs.